Y a pas de mots. Cette bande originale du film Le Grand Chemin, signée Georges Granier, un cousin de Georges Brassens, est d'une telle pureté, d'une telle efficacité, d'une telle simplicité également, et elle joue énormément sur l'ambiance de ce film qu'est Le Grand Chemin, le film dont nous avons parlé aujourd'hui. Et Le Grand Chemin, c'est la croisée des chemins entre beaucoup de choses, entre beaucoup de paramètres et beaucoup de personnes qui vont montrer le sommet de leur performance de réalisateur, d'acteur ou de scénariste ou de compositeur au service de ce film. Dans le sens où chacun, individuellement, ne fera jamais mieux dans sa carrière que ce qu'ils ont fait dans Le Grand Chemin. Jean-Louis Hubert, le réalisateur, ne fera jamais un meilleur film que celui-là. On pourra parler d'Après la guerre, mais ce sera le sujet d'une autre vidéo. Georges Granier, le fameux compositeur, n'aura jamais rien fait d'aussi notable par la suite. Anémone, cette actrice qui est partie trop tôt, très rebelle, très instable, très incontrôlable, qui aime bien être à contre-emploi de ce qu'on attend d'elle, son seul César, sa seule récompense qu'elle aura dans sa carrière, c'est dans Le Grand Chemin. Une récompense qu'elle n'aime même pas aller chercher d'ailleurs, on en reparlera. Et puis Richard Bohringer, lui, il avait eu une récompense en 1984, mais c'est sans doute le film de la carrière de Richard Bohringer le plus connu, ou l'un des plus connus. Donc si je résume, César du meilleur acteur pour Bohringer, César de la meilleure actrice pour Anémone, meilleure composition mémorable pour Georges Granier, et le meilleur film et le plus grand succès de son réalisateur Jean-Louis Hubert. Il y avait définitivement une bonne étoile au-dessus de cette production sur laquelle nous allons revenir maintenant. Jean-Louis Hubert, à la base scénariste, n'avait à l'origine aucune intention de faire carrière, voire de se lancer tout court un jour dans une carrière de réalisateur. Il présentera pourtant en 1981 son premier long métrage, L'année prochaine si tout va bien, qu'il a coécrit avec Josiane Balasko et Gérard Zing, dirigeant ainsi Isabelle Adjani et Thierry Lhermitte dans une comédie satirique sociale, inversant ainsi le rôle de l'homme et de la femme, l'homme étant au foyer et la femme au bureau, s'éloignant du modèle du couple marié traditionnel. Le film totalisera près de 504 000 entrées au national, un succès très modeste, voire moins, ce qui n'empêche pas le réalisateur de se lancer dans un nouveau projet avec La Smala en 1984, en mettant en scène Josiane Balasko, avec qui il avait écrit son film précédent, ainsi que Dominique Lavanant, ou encore Maurice Rich, dans une nouvelle comédie familiale et qui totalisera moins de 800 000 entrées. Son troisième projet, Sanguine, sera annulé 15 jours avant le début du tournage par les producteurs, sans doute à la vue des résultats peu probants au box-office de ses deux premiers longs-métrages. Ébranlé par la nouvelle, il se réfugie dans une maison d'un village de son enfance, Rouen, en Loire-Atlantique, où il passait ses vacances étant enfant, et décide d'évoquer son enfance en écrivant le scénario du Grand Chemin. La société de production Flash Film, qui a produit récemment le film à succès Trois hommes et un couffin, on en parlera un jour, accepte de produire le film dont le tournage est prévu durant l'été 86. Il envisage alors de faire à nouveau appel à Josiane Balasko pour le rôle principal, Marcel, qui a réellement existé dans l'enfance du réalisateur et qui physiquement lui ressemblerait. Pour jouer Pelot, personnage ayant également existé, c'est Coluche qui est attendu suite à sa récompense et sa prestation remarquée dans Ciao Pantin. Malheureusement, Coluche décède le 19 juin 1986 d'un accident de la route, à peine deux semaines avant le début du tournage. Le film est alors recasté, et c'est Richard Bohringer et Anémone qui rejoindront le casting, complété par Antoine Hubert, le propre fils du réalisateur d'abord réticent à l'idée de sacrifier ses vacances d'été à la mer pour un tournage à la campagne. En somme, la même problématique que son personnage dans le film, qui n'a pas envie d'aller à la campagne alors qu'il voudrait rejoindre son père et aller à la mer à Nice. Quant à Vanessa Gage, elle sera castée pour son naturel excentrique et décomplexé, idéal pour interpréter le rôle de l'espiègle Martine, un personnage qui a également réellement existé dans l'enfance du réalisateur. Le film va raconter l'histoire de Louis, laissé par sa mère Claire en vacances à la campagne dans le village de Rouen, chez son ami d'enfance Marcel, durant trois semaines, le temps qu'elle accouche de son deuxième enfant sur Paris. D'abord réticent et triste, et préférant l'idée de retrouver son père, maître d'hôtel saisonnier à Nice en été et en montagne hiver, donc jamais vraiment présent, le jeune Parisien découvre vite la vie à la campagne, grâce à Martine, une petite voisine espiègle et délurée qui sera sa première histoire d'amour. Ensemble, ils feront les 400 coups dans le village. Peu à peu, Louis se prend aussi d'affection pour Pelot, le mari de Marcel,
pourtant bourru en apparence, mais avec qui Louis compense avec Pelot l'absence d'une image paternelle. Mais il remarque des tensions dans leur couple. Pelot boit beaucoup, et Marcel semble être malheureuse et isolée. Au fur et à mesure de ses vacances, il découvrira le terrible secret que le couple cache. On en parle à la fin, j'ai pas envie de spoiler le film pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Le film est entièrement tourné en décor naturel, dans le village de Rouen, avec les réels habitants du village. À son arrivée sur le tournage, Richard Bohringer enfilera son costume et s'en ira se promener dans la peau de son personnage et se rendra dans le bar que l'on aperçoit dans le film. Ça, c'est ce qu'on appelle une immersion. En deux jours, il s'était fait des potes. Toute l'équipe se mêle donc à la vie du village, un match de football étant même organisé entre l'équipe du film et les habitants, dont le coup d'envoi était donné par Anémone. Malgré les tensions entre cette dernière et le réalisateur Jean-Louis Hubert durant le tournage quant à la direction d'acteur, Anémone conservant une rancœur presque à vie envers ce réalisateur, est difficile de trouver ce qui s'est passé réellement entre les deux. Je sais juste que le réalisateur sait qu'Anémone lui en veut à vie pour quelque chose et qu'Anémone évoque assez peu ce tournage. Je n'ai pas trouvé, et si d'autres ont trouvé, des interviews, parce que j'en ai regardé beaucoup pour me documenter sur cette vidéo, si vous avez plus d'infos sur ce qui s'est passé durant le tournage entre les deux, c'est une nana qui n'a pas la langue dans sa poche, donc peut-être que ça lui plaisait pas, mais quand on voit le résultat final, j'ai envie de me dire que pour le coup, il devait avoir raison. À sa sortie, le film rencontre un succès avec 3,5 millions de spectateurs envoûtés par le charme du film qui n'a pas pris une ride. Le Grand Chemin est même nominé au César de 1988 dans les catégories meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario original ou adaptation, meilleur acteur, meilleure actrice, meilleur montage, et il en remportera 2 au total. Anémone ira même sur scène, déguisée et complètement allumée, parlant d'horoscope et de son crush pour Richard Anconina, et s'en ira sans prendre sa récompense qu'elle n'ira jamais rechercher. Bonne nouvelle ère du Verseau, vous savez qu'on vient d'entrer dans l'ère du Verseau. Salut les mecs. Et oui, vous restez avec le précieux objet. Car Anémone, c'était une anti-système. Elle l'était déjà à l'époque. Elle n'aime pas le star system. Elle n'aime pas le fait d'être une vedette. Elle n'aime pas la politique. Elle n'aime pas le monde dans lequel elle vit. Elle n'aime pas non plus les enfants. Elle n'aime pas ses propres enfants. Enfin, elle les aime, mais elle regrette de les avoir parce que ça l'a rendue plus malheureuse qu'heureuse. C'était un personnage, Anémone. Et on pense quand même bien à elle. Outre ses récompenses, le film aura marqué pour toujours et à chaque diffusion télé les spectateurs bouleversés par un film qui vise très juste. Un remake sera même réalisé en 1991 avec Elijah Wood. Lost. Ben thinks you're beautiful. Melanie Griffith, Don Johnson and Elijah Wood in Paradise. Honnêtement, est-ce que ça vaut le coup de s'étendre là-dessus tellement ça n'a rien à voir? Alors c'est adapté aux familles américaines. On n'a pas le même modèle de famille de campagne, on n'a pas le même clivage. Campagne et ville, en fait, c'est pas le même film, donc ça sert même pas à quoi que ce soit d'en parler. Je vous propose de passer à l'analyse du film et à ma petite critique personnelle. Donc si vous n'avez pas vu Le Grand Chemin, s'il y en a parmi vous qui sont passés à côté de ce grand bonheur, courez-y et revenez après, parce qu'à partir de maintenant, je vais spoiler. On est parti pour l'analyse. Par quoi commencer ? Déjà, c'est un film qui parle de la réelle enfance du réalisateur. Il va jusqu'à faire jouer son propre fils, qui lui ressemble beaucoup physiquement, et qui a quasiment le même âge que l'âge où lui a vécu ses événements. Question authenticité, c'est difficile de faire mieux. Il tourne dans le village de Rouen, où il a vraiment passé ses vacances, à la fin des années 50, où il est vraiment allé pour la première fois sans en avoir envie, chez Marcel et Pelot, qui sont des personnages qui ont réellement existé, qui étaient du coup plus physiquement proches de Coluche et de Josène Balasco, on en a parlé. Ce sont donc des personnages réels, et la voisine, Martine, est un personnage réel, qui existe toujours, qui est toujours à Rouen, qui a des enfants maintenant, et Louis, alias Jean-Louis Hubert, est toujours en contact avec Martine, des décennies après. Donc pour ceux qui peuvent se poser la question à la fin du film, est-ce que Louis reviendra dans ce village où il est resté 3 semaines et où il aura du coup réussi à réconcilier Pelot et Marcel? En tout cas, il leur donne un nouveau départ, c'est le message du film. Est-ce qu'il y aura une suite à ça? Oui, pas besoin d'avoir Le Grand Chemin numéro 2 pour le savoir, puisque Le Grand Chemin, c'est la vie. Le Grand Chemin, c'est une métaphore de la vie. Et la vie, elle ne tient pas sur 1h30. C'est la vraie vie de Jean-Louis Hubert et de ses souvenirs d'enfance. Et je trouve ça particulièrement émouvant. Ça donne une réelle profondeur au film que se dire que durant 1h30, tout ce qu'on a vu est quasiment vrai, peut-être un petit peu accentué pour les besoins du film, mais surtout que ça ne s'arrête pas qu'au film. Ça, je trouve ça génial. Et au-delà de parler de son histoire, on parle d'humain.
d'enfants et d'adultes. Et ça, on est tous humains normalement, donc ça parle forcément à tout le monde. On peut regarder ce film avec un regard d'enfant, quand on est enfant, puis avec le regard d'adulte. On peut le regarder indéfiniment, ce film-là, avec le même plaisir. Tu pleures ? Qu'est-ce que tu racontes ? Je pleure pas, je mouche. T'as parlé de moi, Marcel ? Je sais plus. T'as pas dit que j'étais un vilain bonhomme ? Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Tu crois que je suis un vilain bonhomme ? Jean-Louis Hubert, il privilégie souvent le son à l'image. Il y a même parfois des moments où il confesse avoir fermé les yeux juste pour écouter ses acteurs et chercher la justesse dans le jeu et dans l'intonation. J'ai quand même ouvert les yeux. Par conséquent, il y en a qui peuvent reprocher à Jean-Louis Hubert dans sa carrière de cinéaste, de réalisateur, que ses films sont, d'un point de vue réalisation, très standard, sans point de vue particulier. Je peux pas affirmer ça dans sa globalité parce que je n'ai vu que deux films. Celui-là et Après la guerre, je n'ai pas vu les autres. Mais dans Le Grand Chemin, c'est faux. Parce qu'il y a un véritable point de vue, un véritable parti pris dans la réalisation de montrer le monde d'un point de vue des enfants, du regard des enfants. La caméra est souvent du coup placée assez bas pour que du coup les adultes aient l'air menaçants ou au moins intimidants. Surtout certains villageois, villageoises un petit peu vieux qui font un petit peu peur avec des visages déformés qui du coup effraient Louis autant qu'ils nous effraient à la caméra. Même les plans sur cette église qui a l'air énorme et sur ce cimetière qui est sous les fenêtres de Louis, qui a l'air totalement macabre et sinistre, qui du coup est vu, encore une fois, avec des yeux d'enfant qui est fasciné et attiré et en même temps effrayé par la mort qui englobe ce village, non seulement à cause du secret que cachent Marcel et Pelot, mais également parce que c'est un village avec beaucoup de personnes âgées, mais pas plus qu'ailleurs, et surtout que quand il meurt, tout le monde est au courant. Il y a le curé qui passe, il y a le fossoyeur qui passe aussi, et tout le monde va aux enterrements. Donc c'est une notion de la mort, la découverte de la vie et de la mort, que le petit Louis ne pouvait pas vivre à Paris, parce qu'à Paris, comme le dit Polo, on n'a pas le temps de s'arrêter sur les morts. Il y a un vrai conflit dans ce film entre vie à la ville, vie à la campagne, tout en étant un film sur l'enfance et sur l'apprentissage, la découverte de l'amour, de l'amitié, de la mort, du sexe aussi, parce qu'il y a des scènes assez crues. La grande sœur de Martine, on la voit à poil sous tous les côtés, et quand les deux gosses regardent le couple en train de copuler en bas, fascinés et interrogés sur ce qu'ils sont en train de faire, il y a une ambiance. Il y a une ambiance à la Jeux Interdits dans ce film pour ceux qui connaissent. C'est donc un film ultra authentique. Authentique à tel point que je crois en ces personnages, et pour cause, ils existent. Ils existent même encore pour certains. Marcel et Pelot sont malheureusement décédés. Mais je crois en ces personnages, je crois en ce couple qui va trouver en Louis un garçon qui aurait eu l'âge de leur enfant qu'ils ont vu mort-né et sur lequel ils se projettent, où Marcel donne enfin des bains à un enfant comme si c'était son fils, et à Pelot qui l'emmène faire des parties de pêche, des choses de garçon, de mec, tout en trouvant en Louis le seul confident à qui il peut parler de ce qui s'est passé avec Marcel il y a 10 ans. Et depuis 10 ans. En fait, ils sont tous les trois arrêtés dans leur vie. Louis a l'illusion que son père est encore là, mais n'est même pas encore au courant que son père l'a complètement abandonné, et que sa mère lui ment. Marcel est isolée, ne veut plus qu'on la touche, et est complètement malheureuse. Elle ne se remet pas du décès de son fils, et il y a un véritable tombeau dans la maison. D'ailleurs, la scène où Pelot rentre en furie dans cette chambre et casse tout est absolument bouleversante. Et Pelot, lui, bah, il se réfugie dans l'alcoolisme et il attend le retour de sa femme. Et il a personne à qui se confier. Et cet enfant entre les deux va, à défaut de raviver la flamme, leur donner un nouveau départ. C'est d'une pureté, c'est tellement magnifique, c'est juste très bien dosé, très bien fait. C'est à la fois drôle et espiègle avec les enfants, c'est à la fois tragique, mais pas mélo pour les adultes. Tout le monde y trouve son compte, petits et grands, parce que d'un point de vue réalisation, grâce à la caméra de Jean-Louis Hubert qui s'adapte du point de vue des enfants, je trouve qu'elle n'a pas vieilli. Je trouve que du coup, c'est un mélange assez unique en son genre de fiction et de réel qui du coup a encore une interaction aujourd'hui parce que le film du Grand Chemin dépasse le cadre du film. Comme je vous l'ai dit, récemment encore, pour ses 70 ans, Jean-Louis Hubert est retourné à Rouen, ce village, pour aller voir Martine. On ne verra pas malheureusement les retrouvailles parce qu'on ne sait pas vraiment à quoi ressemble pour de vrai. Quant à Martine, elle vit toujours à Rouens. Jean-Louis Hubert a voulu aller l'embrasser, voilà des années maintenant qu'ils ne se sont pas vus. Il a frappé à sa porte, et là, c'est la fin de notre reportage, le reste, c'est le film de leur vie. Et en 2019, Richard Bohringer est retourné sur le village, voir d'anciens copains pour présenter un spectacle.
C'était la première fois qu'il y retournait. Donc il y a toujours de la vie autour de ce village bien réel qu'est Rouen, avec des lieux de tournage qui n'ont pas changé, ou presque, un petit peu quand même, malheureusement. Voilà, il y avait que nous, hein. On pouvait voir les gens aller pleurer au cimetière, on pouvait voir les bonnes sœurs passer, leur dire des gros mots si on avait envie. C'était formidable. À aucun moment, j'imagine, que l'arbre a été coupé pour mettre ce foutu panneau rue du Grand Chemin à la place. Enfin, pour moi, c'était un déchirement. Cette fin ouverte absolument magnifique que non seulement tu peux interpréter, mais que tu peux en plus connaître parce que la suite, je vous l'ai dévoilée. On la connaît. Voilà pour Le Grand Chemin. Que dire de plus? Mis à part que c'est un film que j'aime profondément, que je peux revoir indéfiniment sans me lasser, car il est parfaitement joué, il est parfaitement réalisé, la bande originale est éternelle et l'une des plus belles que j'ai jamais entendues pour le cinéma français. J'arrive pas à avoir une scène préférée parce que tout est bon. Il n'y a rien à jeter dans ce film-là. Tout est culte. L'arrivée du petit chez Marcel avec la fameuse scène du lapin. Aujourd'hui, je pense que tu pourrais plus montrer ça. Tu n'as pas changé, toi, crois-tu? Et Jeanne Lapin, t'as pas dû voir souvent comment on lui retire le pyjama, hein? Qu'est-ce que tu veux? On fait pas d'omelette sans casser deux. T'aimes ça, les œufs? Ah, il adore ça. La scène de la pêche avec Pelot, avec la petite conversation entre hommes. Magnifique moment. Le clash avec Marcel et Pelot complètement bourré, qui du coup renverse la maison. Une scène très dure à regarder, elle est pas facile, avec ce quasi-viol de Pelot à Marcel et ce genre de phrase très lourde, très dure. Ben vas-y, fais-le, je tiens pas tellement à la vie que tu m'as faite. La vache, j'ai la scène en tête, ça touche tellement juste, je me le remémore, ça me fout des frissons. Toutes les scènes autour de l'église, aussi bien la scène sympa où ils vont pisser sur la gargouille sans se douter une seule seconde qu'ils sont en train de faire des conneries qui auraient pu leur coûter la vie à tous les deux, et puis la fameuse scène où il y retourne tout seul et où il tombe du toit presque en se suicidant, et heureusement pour lui, il y a une gouttière juste en dessous, et du coup il tombe pas très très haut, mais il se fait quand même mal. On flirte avec la grosse catastrophe. Mais le film n'est pas là pour faire du mélo, pour faire un film où tout va mal. Il y a une note d'espoir. Il faut traverser l'enfer pour l'atteindre, mais il y a une note d'espoir. Et moi, le cinéma, c'est ça. Je veux pas aller au cinéma pour voir des films tragiques où tout se passera toujours mal, où tout le monde est en noir ou en gris avec une musique triste, où tout le monde pleure et où ça se finit mal. La vie, elle est suffisamment remplie de choses comme ça. Moi, j'aime les bons sentiments, mais pas gratuits. Et Le Grand Chemin, c'est le parfait exemple d'une comédie qui n'est pas un film drôle, mais tendre, touchant, sincère, et pas toujours drôle, parfois tragique, mais par petits morceaux. Et moi, j'aime passer par tous ces états, parce que dans la vie, tu passes par tous ces états. La vie, ce n'est pas que du rire, ce n'est pas que des larmes, c'est les deux. Et les films qui arrivent à te faire ressentir les deux, dans la bonne proportion, eh ben banco, moi c'est ma cam, c'est mon cinéma, c'est ce que j'aime. Toutes les scènes d'adieu à la fin du film sont vachement touchantes. Le câlin que fait Louis à Pelot, la réaction de Pelot quand il prend Louis dans ses bras, c'est magnifique. La scène où Louis, dans les buissons, regarde Marcel dans le cimetière après l'enterrement se diriger et découvre son secret qu'elle a perdu un enfant, et qu'il la regarde très intéressé en faisant son enquête, en fait, parce qu'il veut comprendre où est le malaise. Il se prend d'affection pour ses deux parents de substitution temporaire, et en interrogeant l'un et l'autre séparément parce qu'il sait qu'il faut pas les confronter, il en déduit ce qu'il en déduit, et je trouve que c'est vachement touchant. Il essaie vraiment de se rapprocher des deux en évitant les clashs, parce que du coup, dès qu'ils sont ensemble, ils n'arrêtent pas de s'engueuler. La scène des civelles dans le maillot, ça c'est la scène vraiment drôle du film, la seule qui soit vraiment légère, et encore, c'est pas très gentil. En tout cas, Le Grand Chemin, c'est une bouffée d'air frais, de pureté, d'amour, de justesse, et c'est un film qu'il faut avoir vu. Tous, personne n'a d'excuses. Tous ceux qui ont vu Le Grand Chemin aiment Le Grand Chemin, ou presque. Mais courez-y, c'est admirablement fait, c'est admirablement joué, c'est admirablement mis en scène. La musique, je vous l'ai fait écouter durant la vidéo, est fabuleuse. Rien qu'elle, il faut l'écouter en boucle et en boucle et en boucle, sans trop déprimer quand même. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie en tout cas d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Malgré le fait que j'ai pas forcément appris grand-chose à ceux d'entre vous qui connaissent déjà l'histoire de ce film par cœur, je n'ai pas la prétention de dire que je trouve des informations que personne n'a jamais vues. Je réponds à certains commentaires qui commencent à arriver, qui me trollent un petit peu en disant « Ah, mais je les ai lus ce que tu m'as dit, j'ai rien appris. » Oui, je lis dans les livres, dans les interviews, dans les bonus de DVD. Je ne sors pas les informations de mon... Voilà, donc je les cherche, je les compile, je les résume, je les présente, je les mets en scène. C'est ça le travail que je fais. Et j'ai pas vocation à aller enquêter sur le terrain pour aller retrouver des gens qui sont morts, pour leur demander ce qu'ils en pensaient.
Désolé pour ceux que ça déçoit. Mais il y en a que deux ou trois, hein. Globalement, vous êtes une communauté fantastique et je vous adore. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de mettre un petit commentaire, juste pour dire... Coucou, c'est moi. Oh merde. Je suis marrant, moi. De mettre un petit like, vous connaissez la musique. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Je pense un petit peu plus gay que celle-là. Et d'ici là, comme je le dis à chaque fois, prenez soin de vous. Ciao.